La mère du garçon est morte. Elle voulait qu'on disperse ses cendres depuis le plus haut sommet de tous les royaumes. Les dieux de ces royaumes n'apprécient pas beaucoup les étrangers, crois-moi. Tu es une déesse. Oui, j'étais chef des vannes autrefois, mais plus maintenant. Il se trouve que je suis le seul homme au monde à pouvoir vous mener là où vous avez envie d'aller. Vous devez commencer par me couper la tête. Odin t'a à l'œil, frère. Surtout depuis que tu as tué un des siens. En arrivant ici, j'ai choisi de vivre comme un humain. Mais en vérité, je suis né Dieu. Et toi aussi, Atreus. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Tuer un dieu est lourd de conséquences. Mais... Non, écarte-toi, Kratos, ça ne te concerne pas. Non, non, mon fils. Mon fils chéri. C'est maman. Regarde, c'était une géante. Je suis un géant. Il y a quand même une chose que je comprends pas. Les géants m'appelaient... Loki ? Assez de questions pour aujourd'hui. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis ? Moi, ça va très très bien. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une toute nouvelle aventure sur... God of War Ragnarok, nous sommes sur PlayStation 5, 4K 60 FPS d'office évidemment, un petit truc à boire et à manger, bombardez-moi de likes si vous êtes assez à bombarder, je vous assure que je vais vous régaler avec non pas une vidéo par jour, mais pourquoi pas deux, donc allez-y, commentaire, like, régalez-moi, il est temps de se lancer dans cette nouvelle aventure avec une nouvelle partie. Vous venez me voir le résumé de God of War, hein, au cas où vous étiez un petit peu à l'ouest. Let's go, épisode 1 de God of War Ragnarok, j'ai trop hâte. Tu as faim ? Et maintenant ? On rentre. La tempête se renforce. Je prépare l'attelage. Thank you.
veux de l'aide? Tu es prêt? Survive à Fimbulvetre, la voix commencée. Utilisez R pour regarder autour. Accédez aux paramètres de la caméra en appuyant sur Start. Pas besoin jusqu'ici. Très très bien, on retrouve donc Atreus quelques années plus tard. Dormir. Il voudra peut-être manger quand on arrivera. Il est... Ah, je dirige aussi les loups. Atreus. Je sais, mais pourtant il a l'air un petit peu mieux hier. Ok. Il mangera. Je ne veux pas baisser les bras. Ok. Bon, on a quand même eu Thor qui a toqué à notre porte dans une deuxième fin. Sur le premier God of War, est-ce qu'on va le revoir? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien elle. Le symbole est proche. C'est pas vrai. Tiens-toi prêt. Elle lâche pas le morceau, elle est énervée depuis trop longtemps, hein. Ah ouais, lâche un peu, cousine, c'est trop. Tu okay. Peux pas abandonner comme ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas son genre. Défie-toi. Ah ouais, elle veut notre peau depuis combien d'années? Oh non, c'est nimble, j'ai pas pris, là. Aïe. Des vrais patates, hein. Je te tiens. Il faut la distance. Ok. Là-haut. Attention! Les arbres, ils tombent! On a échappé, Ben. Oh non! Il retient à l'attaque! Je ne veux pas te combattre! Mais c'est pas possible! Je vais pas tenir longtemps! Mais lâchez-moi, madame! Putain, c'est la plus grosse forceuse. Elle commence mal l'année, elle. Bon, on est en fin d'année, mais enfin, vous avez compris. Ok. Ok, c'est très bien, ça. Oh non. Telle est ma voix. Aïe. Il faut lâcher, madame. Ne me force pas à faire ça! Oh, la prière, elle veut pas lâcher, les gars. Hein. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle a la dalle. C'était le symbole. On est sauvés. Rentrons chez nous. Speki, Svana, hop. Je suis désolé de ne pas avoir tiré. Je ne voulais pas que tu tires. J'espère encore qu'elle renoncera. Après tout, tu l'as sauvé. J'ai tué son fils. On ne pardonne pas ces choses-là. Oui. Bon. Puis Baldur a dû marquer le début de Fimbulvetr. Il neige sans cesse depuis. Tu crois que ça s'arrangera un jour? Un jour. Mais le pire est encore à venir. Nous devons faire face. Ok.
On va rentrer au calme. Avant, on avait une petite maison en mode Evil Dead. Là, ça va, on a l'air mieux, hein. Je vais le faire. Je m'occupe du cerf. Régalez-vous. Ok, Atreus qui devient un petit peu plus respectable. Un peu moins boubourg, ça c'est bon, ça j'aime bien ça. Très bien, bon on va prendre les skills un petit peu plus tard. Là on peut rien faire. Il y a toujours Atreus, ok, courir ce joystick. Rien d'étrange là-dessus. Il nous salue toujours. Atreus. Fenrir, ça va mon grand? Ça sent pas bon, hein. Il est cuit. Hein. Je pense qu'il est cuit, non? Oh, bibiche. Ça va, mon grand. Je suis là. Je sais. Tu m'as manqué aussi. Où est ton repas? Tu as encore faim? Allez, mon grand. Il faut que tu manges. Mange. Quoi? C'est trop gros? Encore, il veut vivre. Il est mourant. Oh non, c'est horrible, je déteste ça. Oh, c'est terrible. Tu es un bon loup. Un très grand loup. Rapide et fort. Mais tu peux te reposer. Ne t'en fais pas. Tu peux partir maintenant. Tu dois me laisser. Sofna. Apfra. Tesu. Sofna. Essan. Sofna. 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 On va s'entraîner. Quoi? Non! On est au beau milieu de la nuit. La nuit n'arrête pas nos ennemis. Pourquoi?
À quoi bon? On ne fait que s'entraîner, sans répit. Ça suffit pas. On ne peut pas vivre caché. On ne se cache pas. On se prépare à un combat pour lequel on n'est pas prêt. Allez. Le temps nous est compté. Les prophéties disent que Fimbulvetr précède le Ragnarok. La guerre approche. Quel que soit le rôle de Loki, il commence dès maintenant. Mon histoire ne peut pas se finir dans ces bois. Je devrais partir, découvrir qui je suis, qui est Loki. Je ne te permettrai pas de défier les dieux. Je ne veux défier personne. Je veux des réponses. Et si ces réponses mènent à une guerre contre Asgard? C'est peut-être ce que Mère voulait. On ne sait pas ce que voulait ta mère. C'est pas prêt de changer. S'il te plaît. Je peux rester un peu seul avec Fenrir avant de l'enterrer. Mince, je reconnaîtrais cette sombre expression entre mille. Tu veux me raconter ce qui s'est passé? Le loup est mort. Ah non, pas Fenrir. Comment va le petit? Il va mal. Il va aller l'enterrer. Ah, bon sang. Bien, mon frère. Bonne nuit. Kratos? Tu viens avec moi? Ok. Es-tu prêt? Tu marches comme si Ymir lui-même se tenait sur ton dos. Tu mènes la chasse. Je te suis. Très bien, grognon. Ok. Je suppose que c'est ce qui va servir de tuto. Oh oui. Il y a peu. Au moins, il n'a pas souffert. Dois-je interpréter tes grognements? À quoi penses-tu? On chasse un prédateur. Un loup? Oui. Les prédateurs tuent. C'est dans l'ordre naturel des choses. Tes paroles sont erronées. Ok. Chut. Approche, doucement. Tout va bien, mon grand.
On veut t'aider. N'est-ce pas? Non, non, ne... Oh. Viens. Le loup malade que nous avons trouvé, il a passé le symbole. Comme je l'avais dit. Nous aurions dû agir. Ce n'était pas notre problème. Maintenant, ça l'est. Un problème n'a pas à être à nos portes pour relever de notre responsabilité. Si nous avons le pouvoir d'empêcher qu'il cause du mal, il nous faut agir. Qui sommes-nous pour ignorer et laisser faire? Nous ne nous cachons pas. Ok. Bon, ça, je vais te le bouger très rapidement. Allez, bouge pas. Regarde mes gros muscles fer. Vache! Toi aussi! Toi aussi, t'as des gigamuscles! Tu me laisses me charger de celui-là? C'est bien. Ok. Par ici. Faye. Bon. Faye. En une claque, je te tutoie toute ta descendance, donc on va se calmer, le loup. Faye. Faye. Le temps presse, mon tendre amour. Et il y a beaucoup à faire. Non. Mon frère ? Oh, les nouvelles sont pas bonnes. Où est Atreus ? Pourquoi crois-tu que je beugle ? Il n'est pas rentré après avoir enterré le loup. Ça fait déjà un moment. Il ne peut pas être loin. Ok. Bon, qu'est-ce que c'est que ce merdier là ? Retrouver la trace d'Atreus. Ok. Ça, c'est le codex avec Mimir, hein, si jamais. Mais bon, vous avez tous suivi évidemment mon aventure, n'est-ce pas ? Hein, God of War 1. Et je crois que c'était en 2K 60 FPS. Et ben maintenant, nous sommes en 4K 60 FPS. Donc. Rien de mieux, on évolue, on se fait plaisir. On va aller checker là-dedans. Le pas de Baldur est trop instable, mon frère. Il ne s'y serait pas risqué. Ok, ici c'est verrouillé, c'est un portail de téléportation, si je me souviens bien. Et donc la seule solution, c'est là, tout simplement. Voyons. On va voir. Des traces qui mènent à la rivière gelée. C'est certainement là qu'il a enterré le loup. Le feu se meurt. Où a-t-il bien pu aller ensuite ? Ok, bah dans la grotte, il évidemment. Il a rampé par là. Ok. Ton sommeil semblait agité, plus que d'ordinaire. Des cauchemars ? Je rêve du passé, presque toutes les nuits. Ah, la triste époque, en Grèce ? Non, c'est comme si Faye voulait me dire quelque chose. Ne me dis pas que tu parles à nouveau aux fantômes, mon frère. Non, mais c'est plus qu'un simple souvenir. Ok. Donc on rêve de... la femme de Kratos, hein. Parle-moi, mon frère. Les traces s'arrêtent là. Et nous ne sommes pas seuls. Non mais les gars, vous savez à qui vous attaquez ou c'est comment ? Hop, voilà, on reprend les bonnes habitudes. Allez, ça dégage, hein, la petite racaille. Viens ici, mon ref. Allez, ça dégage. Ok.
Ok. Ça c'est fait, t'as perdu ton bras mon ref. Ah, j'ai voulu esquiver au dernier moment pour faire un blocage. Ok. Voilà. Derrière toi, attention. Bien wesh. Oh là là. Merde. Toi t'es pas mort de la meilleure des manières. Ok. Maudit maraudeur. Ils n'ont rien à faire là. Jetons un œil au symbole de protection. Il y a un arbre pas loin, non? Let's go. C'est quoi ça? Les symboles pas foufou, hein? Pierre de guérison qui restaure la santé. Tu avais raison. Le symbole est brisé. Cela explique nos visiteurs. Que s'est-il passé? Oh merde, Atreus, qu'est-ce que t'as fait encore comme connerie? Un ours. Mutilé. Mais par quoi? Un plus gros ours. Blessé. L'affrontement a brisé l'arbre. Retrouvons Atreus. Bien. Entre les bêtes sauvages et les maraudeurs qui rôdent, il a dû chercher refuge. Suis sa piste. Nous le trouverons. Okay. Eh bien écoutez, on va passer par ici, parce que le sang a l'air d'aller par là. Le sang continue même. Ça. Oh, on peut casser, mais il n'y a rien dedans. Le sang va ensuite ici. Nous devons passer ailleurs. Bien sûr, bouge pas. Je m'occupe, Mimia. La piste continue de l'autre côté. Tu peux y arriver. Oh ! Sais-tu ce qui a poussé le petit à s'en aller ? Une dispute. Il me reproche de me cacher de Odin. Ouais. Il est normal de faire profil bas après avoir tué trois des siens. L'heure du jugement approche. C'est pourquoi Atreus doit apprendre à survivre seul. Oh, c'est à propos de cette prophétie. Parce que tu t'es vu mort sur un mur géant plein de... prédictions, ma foi, c'est juste. Je ne crois pas aux prophéties. Eh bien, tant mieux. Oubliez pas que on s'est vu mort sur une fresque et que c'était Loki qui me tuait. Et donc ça, c'est... assez terrible. Voilà beaucoup de sang, mon frère. Il faut le trouver. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Un peu d'argent pour les braves. Je prends. Ok. Ça. Hop, on prend. Évidemment. Et on continue. On aime l'argent pour les braves ici. Ok. Allez, let's go. Que tiens-tu pour vrai dans les prophéties, Mimir? Je suis sceptique par nature. Mais nous avons vu des choses qui défient la logique. Donc, en tant qu'homme le plus intelligent qui soit, je suis totalement perdu. Ok. Maintenez pour charger la hache de givre et renforcer vos attaques. Hop, ça c'est dans ta gueule. Allez. Ok. Ok. Hop, soulevage en règle. Atterrissage, extermination. Ça dégage. Alors, on est bon. Qu'en dites-vous? Oh, tu m'as fait peur. Soulevage en règle, atterrissage, re-soulevage en règle, et exterminace. Ok, ça je prends, un peu d'argent pour les braves, toujours. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ok, jusqu'ici. Oh putain. J'aurais pu lui faire un truc, frérot. Où est passée cette piste? Ok. J'en ai aucune idée pour l'instant. Ça, on avait fouillé. Elle est passée ici. Ensuite, c'est passé par là-haut. Je
Oh là là, c'est incroyable, wesh. Est-ce que je leur colle? Ok. Trop nombreux pour une troupe d'éclaireurs. Ils doivent avoir un camp non loin d'ici. Je sais à quoi tu penses, mon frère. Mais Atreus peut s'en sortir seul. Tu l'as bien éduqué. Oh. Il me le dit sans cesse. Oh. C'est quoi ça? Fer forgé, élément de fabrication. Et beaucoup d'argent, ça me plaît. J'aime bien. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Des torches. Et la piste mène dans cette grotte. Eh bien, on sait où on va. Je suis sûr qu'on peut y entrer discrètement. Ok. Ou de cette manière, oui. Ok. Ce sont les maraudeurs desquels tu as sauvé les loups? Non. Ils sont là depuis peu. Très bien. Jetez-vous d'un rebord en sprintant, puis en l'air, appuyez sur R1. On fait. Ok. Ok, c'était stylé. Ok, c'était stylé. Montage en l'air, atterrissage, remontage en l'air. Et c'est terminé pour lui. Ok. Ok, remontage, atterrissage, et c'est terminé pour lui. La liste passe par ici, et s'enfonce plus encore. Il en viendra d'autres. Bien sûr, ça s'arrête pas, j'espère pas en tout cas. Hop, très bien. Je sais pas comment j'ai perdu un petit peu de vie là. Il faudrait que j'examine en faisant le montage. Là, y'a rien. Là, on a quelque chose. Oh, oh, oh. Ok. Ok. Et là, c'est de là où on vient, il me semble. Très bien. Donc, c'est directement à droite. Ça, c'est quoi ça? Un peu d'or pour les braves? Bien sûr. Ah, quelqu'un a croisé notre ours. Attends. Elle a une fronde! Attention, mon frère! Ok. Au-dessus! Attention! Ok. On va essayer de lui renvoyer son sort à l'autre, là. C'est fait! Wouah! Oh, ce qu'elle a pris, putain, c'est incroyable, ça. Je vais lui casser la gueule pour la peine. Ah non, elle est insta-morte. Maraudeur sur la gauche. Yep. Viens là, bibiche. Ok. En attendant, on va prendre ça. Ah, je peux pas, putain, merde, je suis en combat. Ok, c'est pas grave. On s'en occupe très vite. Voilà, fin du combat. Alors? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Oh non, je peux pas. Ok. On a aucune putain de pitié, hein. C'est énorme. Boum. La gueule. Oh la vache. Ok. J'aime. J'aime quand c'est clair, concis. Bien, ce n'est pas plus mal. Trouvons une sortie. Ok. Et ça, je peux prendre? Ah non, je suis full life. Je suis beaucoup trop chaud. Début d'épisode. La piste ressort. Nous allons encore devoir grimper pour la retrouver. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Bien, fer forgé encore. Je sais pas à quoi ça sert, mais je prends.
On va déjà encore monter, mais alors attendez, on n'a pas fouillé tout là-haut. Donc ça m'embête un peu. Ok. C'était tout simplement un autre chemin. Il y a plusieurs chemins, tant mieux, très bien. On est déjà un petit peu lâché dans... dans des zones un peu ouvertes, donc on va pas se plaindre. Il est temps de monter, ceci dit. Peut-être qu'Atreus cherchait un abri et a poursuivi sa route en voyant les maraudeurs, avant que l'ours ne débarque. Un sacré carnage, faut bien le dire. Crois-tu que l'ours pourchassait Atreus ? Oui. Ou alors l'ours était blessé et Atreus le poursuivait pour l'aider. Tu connais le petit. Ok. Atreus ! Où es-tu ? Aïe ! Aïe ! Oh la vache, c'est un bel ours, hein ! Venons l'ours ! Viens l'inverse ! Ok. Oh, bien joué à lui ! Oh la vache ! Ça m'éclate la gueule ! C'est parti ! Oh non. Ok. Ah ! Ah, mon bras ! Lâchez-moi, monsieur ! Oh la vache ! Ok. Oh, ça, c'est du très bagarre. Ah, il a l'air en colère. Oh la vache. Ok. Attaquons ! Oh non ! Je me suis défendu ! Oh la vache ! Oh mais c'est pas vrai ! Oh, cette attaque est redoutable ! Les gars, je vous en... Aïe ! Il faut ma rage ! Il faut mon mode rage ! Ah ! Voilà ! Là, on va mettre des patates! Oh non! Là, on va mettre des patates! Voilà, des vraies patates de cowboy, moi! Ok, bon. Frappe-le avant qu'il ne frappe le sol! Trop tard. Vache, ça c'est redoutable. Vache. Oh, attendez. Derrière toi, attention. Ok. C'est la merde. Aïe. Ah là 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 là. Ce coup, c'est toujours le bras gauche qui prend. Oh non. Oh non. Putain, c'est dur. C'est dur parce qu'il reprend sa vie aussi. Oh non, 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 non. Ok. Oh non. Ah. Ok, c'est bon. Ok, c'est pas facile. Allez, go! Hop, désolé! J'aime pas faire du mal aux animaux! Mais toi, t'es balèze! Oh là, des vrais coups dans la nuque! Oh, ça doit faire mal! Oh.
Atreus ! Atreus ! Atreus ! Atreus ! Quoi ? Doucement, concentre-toi, Kiri. Que s'est-il passé ? Tu ne te souviens pas ? J'ai enterré Fenrir. Et après, je ne sais plus. J'étais si triste. Puis j'ai ressenti de la colère. Et de la peur. Je me rappelle avoir couru. J'ai vu un ours. Il a chargé et je l'ai attaqué. Mais ça devait être un rêve. Tes émotions, elles t'ont transformé. Je savais pas que je pouvais faire ça. Ce n'est pas toi. Tu n'y es pour rien. Elles ont pris le dessus. C'est pour cela qu'il faut continuer à t'entraîner. Nous ignorons l'étendue de tes pouvoirs. Ils seraient dangereux sans la discipline pour les contrôler. Tu m'as déjà enseigné la discipline. J'ai besoin de plus, il me faut des réponses. Et tu ne les as pas. Seule ta mère avait ses réponses. Et elle les a gardées pour elle. Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous aider ? Quelqu'un qui aurait des réponses sur les géants et le rôle qui est censé jouer Loki. Atreus. Je ne devrais pas savoir ce que je vais devenir. Atreus, écoute. Écoute-moi. J'aurais pu te tuer. Tant que tu n'as pas le contrôle, nous ne prendrons aucun risque inutile. L'inaction est aussi un risque. C'est toi qui me l'as appris. Arrête de penser comme un père et pense plutôt comme un général. Non ! Non. Ressaisis-toi. Et on va s'arrêter là ! De mauvais poils. N'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok. Bisous tout le monde. Bye bye. Survivre à Fimbulvetr.